Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo puisqu'on a été tagué par Studio Kid Zach Family. Donc je vous mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos. Et donc si vous passez par là, je vous fais plein de gros bisous à toute la famille. Donc c'est quoi maman la vidéo qu'on va faire aujourd'hui? Alors tu vas avoir 20€ à dépenser en seulement 5 minutes. Il ne faut pas dépasser les 20€. Chaud cacahuète. Donc tu te sens capable de faire le challenge? Oui. Tu le relèves avec plaisir? Oui. C'est parti. Ensuite on a pris un chariot. Voilà. Et moi je prépare le minuteur. Alors je vous montre. Que 20€ je dois dépenser. Oui, 20€. Donc faut bien calculer. T'es prête? Oui. 3, 2, 1. C'est parti, 5 minutes. T'as regardé le prix? 3€, je crois. Alors ça c'est 2,99€. Oui, tu peux bien sûr. Oh, il y a plein de choses Harry Potter ici. Oh, il y a une baguette à 5€, elle est pas chère. Bah oui, tu peux la prendre. Il y a que celle-là. Donc t'es déjà 8,98€, il te reste 11€ Luna. Alors, là, t'as assez pour prendre une LOL si tu veux. Ouais. Oh, j'arrive. Donc, elle est à 9,99€. Trop, tu peux pas. Faut que tu changes quelque chose si tu veux ça. Il te reste 2 minutes. Donc c'est bon, 2 minutes, ça va. Ouais, ça va, mais je sais pas ce que je vais faire. Il te reste 1 minute 30, Luna. À mon avis, ici, ça va être trop pour ton budget. C'est trop à chaque fois. Là, moi, je dis, tu peux prendre un bonbon à 99 centimes, quelque chose comme ça. Regarde, il y a en haut aussi, après je sais pas ce qui reste. Bah oui, tu peux. C'est bon. Bah oui, il reste 43 secondes. Je peux prendre des choses? Ah bah non, le budget il est atteint, ça y est. J'ai pris 4 choses. Bah on vous montrera du coup ce que l'on a pris à la maison. Voilà, à la maison. Alors est-ce que c'est dur de gérer un budget? Très très dur. Tu vois, t'imagines les parents? Comment qu'ils font? Pas facile, hein? Ça va, t'es contente, t'as eu plein de petites choses. Regardez le chrono. Et voilà, le temps est écoulé. Maintenant, on fait quoi? On va faire un petit tour, on se promène un petit peu dans le magasin. On repère un petit peu pour ton anniversaire et puis on se retrouve à la maison. Bah oui, hein. Et donc voilà, nous sommes rentrés à la maison et maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Mais avant, maman va vous montrer le ticket de caisse. Recoucou à tous, alors voici le ticket de caisse. Donc avec les prix et le montant total. Donc elle en a eu pour 18,96€. Donc avec la baguette, en fait, le monsieur nous a enlevé 1€ de moins, je crois. Et donc elle a coûté je sais plus combien. Elle a coûté 4,99€ au lieu de 5,99€. Donc peut-être qu'il y avait une promo, on n'a pas fait attention. Et du coup, il restait 1€ encore en plus. Alors qu'on avait pensé calculer 19,98€. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on a la baguette. La baguette d'Harry Potter. La déballer, j'ai très hâte. Et comme ça, mes frères, ils adorent les baguettes, même si c'est de 6 ans et plus, et vu qu'elles se cassent pas, ils peuvent l'utiliser. Voilà, ils peuvent l'utiliser au lieu de la baguette de Hermione. Ah, bah l'autre, c'est des baguettes de collection, et celle-ci, c'est plus une baguette pour jouer en fait. Oui. Et donc voilà, j'ai déballé la baguette, donc elle est vraiment légère et en plastique pour ceux qui veulent des baguettes. Et s'il y a des baguettes.
qui sont durs et que vos enfants cassent des choses comme mes frères, et ben vous pouvez en acheter des en plastique comme ça. Voilà, comme ça ils vont pouvoir jouer avec sans avoir peur que la baguette soit cassée. Je vais faire un tour de magie. Ok, du serait parole. Tu nous montres ce que t'as pris d'autre ? Oui, donc la baguette est super sympa. Voilà, donc nous on l'avait vue à 5,99€ et du coup on l'a payé que 4,99€. Ensuite j'ai pris un sneakers. Voilà, parce qu'on pensait qu'il nous restait que 1,01€. Du coup le sneakers était à 0,99€. Oui. Du coup on l'a pris. Oui, parce que vraiment il y a des gourmandises qui sont pas très chères. Oui, c'est vrai. Donc je mangerai tout à l'heure peut-être. Voilà. Donc ensuite j'ai pris un paquet de Twizzies comme ça. Voilà, il est à 2,99€, oui. Donc 3€. Donc on va découvrir ce qu'il y a dedans. Oui, et donc c'est saison 1, donc peut-être que j'en ai. Ah, l'image je l'ai pas. Ah, tu vois déjà celui-ci, tu l'as pas. C'est une girafe. Alors la girafe, on ne l'a pas, elle est trop choupie. Donc Luna a eu girafine et c'est une commun. Et maintenant je vais découvrir le bébé. Je crois que je l'ai. Je sais pas, mais je crois que je l'ai. Oui, il me semble que tu l'as celui-ci. Parce que, en fait, avec le gros truc de là, j'ai mis tous les Twizzies. Donc, c'est Shona. Mmh. Et c'est une classique également. Et c'est une fille, du coup. Voilà, c'est une fille. Mais je suis contente quand même parce que. Tu as eu la girafe que tu n'avais pas. Voilà, et en plus, je la voulais tellement, la girafe. Elle est trop mignonne. Ouais, ensuite, nous allons découvrir la LOL. La LOL surprise Little Sisters. Et donc j'espère pas avoir de dos parce que j'ai déjà eu celle-là. Elle est trop belle celle-là. D'ailleurs on vous mettra le lien dans le petit i de la vidéo où Luna ouvre ses petites LOL. Oui, et le garçon. Ah oui, il était trop choupi. Ouais, il est trop bon choupi. J'espère que tu n'auras pas un double. Donc on va le faire parce que j'ai trop hâte. Dernière couche. Et dans ces LOL, je crois qu'il y a que des bouts dorés. Parce que j'ai l'un ou deux, j'ai déjà eu. Non, il me semble que la dernière fois, tu avais eu une boule bleue ou rose, non? C'était pas la même couleur de boule. Je sais plus. Donc, je vais vous montrer le flyer. Donc, déjà, il y a la roue. Je vois la vie en rose. Waouh, j'adore! Et en plus, la lampe, elle est trop belle dès qu'on met le truc, ça fait plus rose, je sais. Ah oui? Ouais. Bon alors, il y a quoi dedans? Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais voir quand même. Il y a ça, c'est la poubelle, je crois. Oui, c'est la poubelle, on va garder le suspense. Premier sachet. C'est des petites bottes, elles sont trop choues. Alors déjà, si c'est des petites bottes, tu ne les as pas. C'est pas la même poupée. Alors voici les petites chaussures, noir. Elles sont toutes noires, toutes simples. Ensuite ça, donc je pense que c'est le filet de la boule. Et oui, ça c'est pas très important, c'est pas une surprise. Hein. Je sais même pas pourquoi ils les emballent ça. Oui, ils devraient les mettre directement sur les boules. Bah oui. Ensuite on va ouvrir le petit sac. On aurait dit, mais c'est un truc qui glisse, hein, ça revient. Bah oui. C'est pas un sac à main? Non, je ne crois pas. Peut-être que c'est le garçon là. Ah, peut-être, je ne sais pas, vas-y. Oh. Un chapeau. Alors, c'est peut-être le garçon. Ah oui, c'est peut-être le deuxième garçon. J'aurais trop chance vu que c'est moi qui l'avais prise. C'est peut-être ça. Peut-être. Non. Ah, c'est qui? Elle est trop belle. Ensuite, nous avons cette poupée et dès que maman l'a vue, elle a dit oh, elle est trop belle, attends, je regarde, elle a vu qu'elle est pailletée. Et après, elle a dit, c'est une ultra rare. Elle était trop contente. Elle est vraiment trop, trop belle. Ouais, elle est trop belle, elle est dorée. Avec son petit chapeau. Oui, mais le petit chapeau, on aurait dit que c'est plus pour les garçons. Ah oui, mais non. Et donc, nous avons Lil Shimon Queen et c'est une ultra rare. Donc là, je suis trop, trop, trop excitée, trop contente parce que j'ai eu une ultra rare. Oui, elle est vraiment trop trop belle. T'as vraiment de la chance, hein? T'as vu, c'est pas toi qui a de la chance à prendre les. Oui, c'est vrai. La dernière fois, c'est moi qui lui en a pris. Elle a eu des ultra rares et là, elle est tombée encore sur une ultra rare. T'as vraiment trop de chance.
déjà 3 poupées, en plus ils sont trop belles. 3 petits bébés. Trop joli. Ouais, trop joli. A few moments later. Luna. Quoi? Qu'est-ce que tu as pensé de ce 20€ challenge en 5 minutes? Super bien. T'as bien aimé le challenge? Oui, mais j'aimerais bien aussi qu'on fasse le 10€ challenge. Oui, on va faire aussi un 10€ challenge, mais ça sera, il n'y aura pas de temps cette fois-ci. Oui. Tu auras le temps que tu voudras pour choisir. Est-ce que je peux taguer quelques personnes? Tu veux taguer quelqu'un? Bah, oui. Ou plusieurs personnes? Bah, vas-y. Je veux taguer le monde de Tiffen. D'accord. Récraton. D'accord. Les folies de Loan. D'accord. Iliana. Et une petite blonde 2008. Oui. Ça marche. Est-ce que tenir un budget est compliqué? Un peu. Oui. Parce qu'il y avait plein de choses que tu voulais prendre. Oui, et il y avait une poupée LOL qui était vraiment chère, elle était à 25€. Et ça dépassait le budget, donc tu n'as pas pu la prendre. Oui, mais quand même, la poupée LOL, quand même, c'était assez suffisant. Oui, la petite, c'est suffisant. Vas-y. Mais si j'en prenais deux, c'était déjà fini. Bah oui, si elle prenait une deuxième poupée LOL, c'était déjà fini. Alors, on s'est dit, bah... Pourquoi pas en prendre une pour avoir plus de choses? Voilà, et comme ça, tu as pu prendre beaucoup plus de choses. Quatre choses. Donc, c'est bien, t'as quand même eu pas mal de choses pour 20€. Oui. Bah, pour 18,98€ exactement. Dites-moi aussi dans les commentaires, si vous voulez que j'en fasse une 20€ challenge, mais sans chronomètre. Sans chronomètre, d'accord. Ça serait super sympa, oui. Comme ça j'aurais plus de choses. C'est vrai, t'auras plus le temps de choisir, oui, correctement. Mettre une heure dans le magasin, mettre toute la journée. Donc j'espère tout cela que j'ai tagué vont réaliser ce challenge. Et je vous souhaite bonne chance. Faisez-vous plaisir dans les challenges comme ça. Et surtout, vous avez 5 minutes chrono pour dépenser 20€. Donc c'est vraiment chaud. Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, bisous, ciao, ciao, les poupées LOL!